à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et voilà, c'est le dernier épisode de la série de l'été sur la créativité. Le dernier épisode de la bande originale créative. 10 épisodes qui retracent la saison 1 des Racines de la Créativité. Et pour ce dernier épisode, on va parler d'un sujet qui me touche encore une fois de très près, l'écriture. S'il y a bien un truc qui me caractérise, c'est l'écriture. J'écris tout le temps. Je suis en train d'écrire un livre, même deux, hein, puisque bon, il y a le livre sur la créativité que je suis en train d'écrire, donc où je pose toutes mes connaissances sur la créativité, et puis le roman, la suite du roman que j'ai écrit avec Florian Draven et Xavier Cloud, Les Gardiens de l'Espoir, donc la suite, on est en train d'écrire le tome 2, donc l'écriture c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, et c'est un sujet pour moi qui était incontournable de parler, et je suis content de le faire pour ce dernier épisode de la bande originale créative. Alors, qui sont les invités du jour? Donc, il va y avoir Lucille, auteur de BD, Nicolas, professeur de théâtre qui écrit quasi tous les jours sur LinkedIn, Anna, qui est copywriter, et Marjolaine, qui est correctrice de livres. Mais d'abord, la première personne que je vais te laisser écouter, c'est Isabelle, qui a écrit son premier roman. Et je vais t'expliquer, enfin plutôt, elle va t'expliquer comment elle a écrit son premier roman et comment pour elle, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est parti. Donc, j'avais repris l'écriture. J'avais écrit, ce qui s'est passé dans le roman que j'ai écrit et qui est publié maintenant. Je l'ai écrit quand j'étais enceinte. Donc de Selena, et je restais couchée une bonne partie de la journée et j'écrivais. J'écrivais cette histoire d'une jeune fille qui habite la montagne et qui vit certaines aventures. Et je rêvais de la suite. Tous les jours, j'écrivais un chapitre ou une partie du chapitre et la nuit suivante, je rêvais de la suite. Donc, mais c'était vraiment un rêve très fort que j'écrivais le lendemain, et tout le roman, donc là il y a 3 tomes, donc ça fait à peu près 600 pages, tout a été écrit comme ça. Et ce qui fait que quand je l'ai relu, j'étais assez surprise de ce que j'avais écrit, je m'étais un peu étonnée aussi, en me disant, ouais, quand même. Mais on peut dire que ça a été écrit en conscience modifiée, en ci, en là, sans doute. J'étais, une fois que je pars dans l'écriture, je ne suis plus vraiment présente dans la pièce où je suis. Donc ça aussi, ça a été un bon dérivatif par rapport à Clémence. C'était une façon, alors que j'en parle pas du tout dans le livre, hein, c'est pas du tout question de ça, mais ça m'occupait aussi. Donc tout m'occupait au mieux. Donc j'avais écrit et là je me suis dit, donc en 2007, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce roman? Donc je l'ai relu, je l'ai retravaillé, je l'ai fait corriger et j'avais envie de le faire en auto-édition pour pas perdre le bébé. C'était un bébé aussi, d'une certaine façon, il avait presque mis 9 mois aussi pour arriver, donc enfin bon, il y avait tout un symbole. Donc, je l'ai publié en auto-édition et maintenant, on le trouve sur Amazon. On trouve, Donc, ils savent quand même que je dise comment il s'appelle, puisqu'il s'appelle Wiha. Donc, Wiha. Et il est. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des facultés extrasensorielles. Donc, un petit peu, comme j'aime dire, qu'on a un peu tous en nous et on les développe plus ou moins. Et. Elle, sa grand-mère l'a élevée dans la montagne, dans un chalet, et elle lui a expliqué comment les développer au maximum. Donc sa grand-mère était sorcière, entre guillemets, c'était la guérisseuse du village,
les arrière-grand-mères, enfin bon, c'était une grande lignée de sorcières, donc elle a hérité de tout ça, de la connaissance, et elle descend, donc le roman commence quand elle perd sa grand-mère, et elle descend sur Grenoble pour essayer de trouver les personnes qui ont tué ses parents. Donc voilà, après bon, je vais tout vous dire, mais ses parents ont été tués, et elle, pendant ces 3 tomes, elle cherche les meurtriers de ses parents, et en même temps, il lui arrive des tas d'aventures. Quand j'étais, donc après 2007, je m'étais inscrite à une école en ligne de scénariste. Donc le roman n'est pas écrit façon scénario, parce que ce serait un peu illisible pour les gens, mais il est écrit où chaque chapitre correspond vraiment à une histoire, tout en ayant la trame de fond. Donc voilà, je voulais l'écrire dans ce sens-là, parce que j'avais travaillé donc, par rapport à cette formation. Et il avait été écrit d'une certaine façon comme ça, puisque chaque, voilà, comme je rêvais à chaque fois de la suite, ça a été très facile de mettre les chapitres, c'était une aventure à chaque fois, donc c'était assez, assez facile à le remettre, à le recadrer comme ça. Ou alors, est-ce que j'ai fait la formation de scénariste parce que le livre était cadré comme ça, ou je sais pas. Des fois, on ne sait pas exactement si on fait les choses parce que ou pour. Mais voilà, donc je m'en occuperai en 2020. C'est prévu de m'occuper d'un peu plus du roman que j'ai laissé un peu faire sa vie tout seul. Donc j'ai des fans qui ont adoré les 3 premiers, qui me demandent le 4e. Mais voilà, j'aurais dit maintenant 2020, je m'en occuperai voilà, une chose à la fois. J'ai appris un peu avec l'âge aussi à pas tout faire en même temps et à bien faire les choses une chose à la fois. Voilà. Donc il y a eu ce roman en fait qui a commencé donc il a commencé en 2007 ou il a commencé un petit peu avant? Ben, je l'ai écrit en 2001. Ouais, 2001, ouais. Je l'ai écrit en 2001 et donc l'histoire se passe en 2001 évidemment. Et le tome 4 je dis rien. Ça sera la surprise. Le tome 4, voilà. Alors, ma façon de travailler sur des albums de bande dessinée. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai un problème de méthode, c'est-à-dire de métacognition. J'ai une façon de travailler qui est hyper... Alors, si on veut le dire gentiment, on dira intuitive. Mais sinon, pas certain que ce soit le mot que tu veux utiliser. C'est pas le mot que tu as envie d'utiliser. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas une méthode type, tu vois, voilà, pour travailler sur mon projet. Et là, le gros projet sur lequel je suis en ce moment, donc la naissance en BD, voilà comment j'ai procédé, ce qui n'était pas la même façon de faire pour les albums précédents. Pour la naissance en BD, en vérité, j'ai eu un problème de syndrome de l'imposteur énorme. C'est-à-dire que quand l'éditeur m'a dit, m'a proposé de faire ça, d'autres éditeurs me l'avaient proposé. Et j'ai senti que ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons. J'ai senti qu'ils avaient ces idées d'éditeurs de « Ah tiens, un sujet qui pourrait être un peu polémique, qu'on pourrait faire préfacer par un tel. » Et moi, c'est quelque chose qui me tient trop à cœur et que je trouve hyper délicat parce que je ne veux pas du tout remettre en question les choix des unes ou des autres. Au contraire, je veux donner les clés pour en faire des vrais choix, que les choix soient vrais, et pas me retrouver dans la fosse au lion de questions à la con, alors pour ou contre la péri, tu vois. Parce que pour moi, ça n'a pas lieu d'être pour ou contre la péridurale. C'est complètement idiot. Enfin, tu vois, je ne veux pas avoir affaire à ce genre d'idées de buzz. Donc finalement, j'ai signé avec cet éditeur-là. Et j'ai eu un syndrome de l'imposteur assez grand. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, je suis ni sage-femme, ni gynécologue, ni même journaliste. En gros, qui je suis pour parler de ce sujet? Ça me tient trop à cœur. J'ai pas envie de me foirer, en fait. J'ai pas envie qu'on l'interprète pas comme il faut. Et j'ai pas envie d'arriver avec des mauvaises infos. Enfin, voilà, j'ai envie d'être super sûre de moi là-dessus. Donc, ça m'a mis du temps. D'autant plus, et là, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, que... C'était plus synchronisé avec la vie que j'étais en train de mener. C'est-à-dire que le moment où j'avais fait des choses sur l'accouchement, que j'avais mis en ligne sur mon blog des choses sur l'accouchement physiologique,
C'était suite à une urgence parce que la maternité où j'avais accouché de mon premier enfant, où on avait de vrais choix, était menacée de fermeture. Et donc, dans l'urgence, j'ai fait ça. J'ai fait des bandes dessinées qui parlaient de ça pour amener les gens à se poser des questions sur ce thème et signer la pétition pour garder la maternité ouverte. Là, c'était vraiment en lien direct avec ce que je ressentais sur le moment. Ensuite, le temps que des éditeurs, que ça tourne, bah, ça a beaucoup tourné sur Internet, beaucoup. Plusieurs éditeurs m'ont contacté, etc. Et le temps que je finisse par signer, à la fois, je ne me sentais pas légitime et en même temps, je ne me sentais plus dedans, quoi. Tu vois, mon bébé l'avait grandi. Moi, je m'intéressais, j'étais à fond dans le surf. Je faisais que du surf. J'étais obsédée par le surf. J'aurais voulu faire une BD sur le surf, tu vois, à ce moment-là. Donc, ça a été compliqué pour moi de me lancer dans l'album. L'envie est revenue quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et là, ma méthode, c'était simple. Ça a été de lire beaucoup. J'ai beaucoup lu sur le thème de l'accouchement. J'ai lu plein de bouquins. Et ensuite, il a fallu que je me demande ce que j'avais vraiment envie de dire, qu'est-ce qui était vraiment important pour moi de transmettre, parce que sinon, tu vois, des bouquins scientifiques, il y en a plein, des livres, il y en a plein. Moi, j'avais envie de transmettre comme une conversation que j'aurais eue avec une amie. Donc, j'avais envie de transmettre ce que je savais de manière rigolote, comme si on était en train de boire un café ensemble. Que ce soit léger, que ce soit hyper bienveillant, c'est vraiment une amie à qui j'ai envie de parler, c'est ma sœur, c'est ma copine, c'est, tu vois, quelqu'un qui va peut-être être enceinte ou qui a peut-être déjà accouché mais qui n'a rien compris de ce qui lui était arrivé. Et donc j'ai commencé à me dire, voilà ce qui est important pour moi de raconter. J'ai listé et j'ai organisé et ensuite je l'ai fait vraiment au plus proche de ce que je ferais en conversation, c'est-à-dire en y mettant mes blagues, mon ton humoristique, en y mettant ma tendresse, en mettant des images un peu plus fouillées quand j'avais envie de passer une émotion tu vois, un peu plus dense, ou des dessins rapides quand c'est une blague idiote, parce que ça fait partie de mon univers, c'est ça en fait, c'est un peu de poésie, un peu d'humour. Quand ça devient trop gênant, je suis obligée de mettre une blague. et voilà, donc j'ai essayé de le faire vraiment plus proche de ce que je suis, de ce que j'aurais transmis à quelqu'un que j'aime, quoi, en fait. Donc, une fois que j'ai mon idée, ma liste de choses que je veux transmettre, l'ordre dans lequel je veux le transmettre, ben, je le dessine directement. Je l'esquisse et en même temps que je l'écris, quoi. Le dessin n'est pas séparé du texte. Je ne suis pas un auteur de BD qui fait d'abord le texte, les dialogues, et ensuite qui cherche la mise en page. La mise en page et le dialogue et le texte, tout vient en même temps, en fait. Et après, une fois que l'esquisse est faite, je le dessine très vite. Parce que si je fais des esquisses trop finalisées, au moment où je vais pour mettre au propre, entre guillemets, je tue mon dessin, en fait. Il n'y a plus de vie dedans. Donc, voilà. Voilà comment je m'y prends. Un jour, j'ai un copain du théâtre qui voulait me brancher avec quelqu'un sur LinkedIn. Il m'a dit, vas-y, crée-toi un compte, c'est une personne, peut-être qu'elle pourra s'intéresser pour que tu files des cours. Bon, je savais pas trop, je n'étais pas hyper emballé. Je me suis dit, bon, ok, je vais le faire. Je vais me créer un compte. Et puis au début, voilà, c'est tout, j'avais juste créé un compte, puis c'était un compte mort en fait, dans les tout débuts, c'était vraiment un compte mort, ça ne servait à rien. Et puis un jour, je ne sais pas, je suis tombé sur quelqu'un, un profil intéressant. Je me suis dit, oh putain, j'ai vu un profil intéressant. Et puis, je ne sais pas, je me suis rendu compte que peut-être j'allais pouvoir rencontrer des gens qui me ressemblent un peu. Je me suis dit, peut-être que c'est finalement... que je me suis rendu compte que c'était peut-être une erreur de pas m'y intéresser. Et donc j'ai commencé en fait j'avais continué un peu dans ce truc-là, donc j'avais trouvé un groupe lié aux zèbres et tout ça, bon, tout en disant que moi je n'ai passé aucun test de QI, quoi que ce soit, je suis rien du tout moi. Et donc j'ai toujours été honnête dans ma démarche, je m'étais inscrit à un des groupes sur LinkedIn, comme ça, j'ai commencé à rencontrer des gens un peu, à parler avec un peu de quelques personnes. Et puis, j'avais mon site à côté quand même, holographique. Donc, j'ai commencé un peu à partager des trucs, doucement. Et puis après, c'est venu au fur et à mesure, je commençais à me dire, ouais, mais bon, si c'est que pour poster des liens aux gens, c'est,
toujours cette idée aussi de vouloir apporter de la valeur aux gens, de me dire, je vais pas quand même pas leur envoyer juste des liens pourris à qui ça fait pas envie, quoi. Peut-être qu'il faudrait que j'écrive des textes. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. J'ai commencé à écrire des textes sur LinkedIn. Et après, ça m'a plu, quoi. Et c'est ça qui m'a pas mal décoincé en termes d'écriture. Parce que écrire des textes comme ça, j'avais quand même... Même si j'écris des poèmes petits et tout, c'était quand même très différent. Et je bloquais pas mal sur l'écriture. Et le fait d'écrire tous les jours, de commencer à écrire tous les jours et tout, ça m'a bien décoincé. Mais donc, en fait, c'est ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce qui t'a décoincé, c'est te dire... bêtement, c'est pas si bête que ça, c'est comment je peux apporter de la valeur en fait dans ton groupe. Ouais, c'est ça, comment les gens avec qui je suis en contact et tout, c'est comment je peux et puis ça a été l'occasion de me dire, mais en fait, de toute façon, moi j'ai fait holographique, c'est pour ça en fait, et pour le problème c'est que là il faudrait faire un décrochage pour expliquer pourquoi j'ai fait holographique, quoi. Si tu as envie de faire un décrochage, après, moi, on reviendra sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Hein. On est sur le podcast de la créativité, donc on peut faire un décrochage. Hein. Donc, moi, j'en ai pas beaucoup parlé, hein, je fais les choses dans le désordre. Je me suis beaucoup raccroché à des recherches personnelles. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, mais moi, le truc, c'est que... Faut toujours que je fasse les choses à ma manière, quoi. Je suis incapable de suivre des trucs tout près. J'y arrive pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire mes recherches. C'est-à-dire, je lisais des trucs, puis je prenais des notes, et puis je faisais mes recherches. Et donc, avec les années, j'ai accumulé des milliers de pages, quoi. C'est un truc de taré, de notes, de réflexions, de trucs. J'ai des cahiers partout. Et donc, sauf que moi. Avec ça, j'avais aussi l'envie, enfin j'avais cette double envie d'apporter quelque chose au monde et de m'aider. J'avais c'est vraiment cette double envie. J'ai toujours eu envie de me dire, putain, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose dans le monde, parce que j'ai toujours été extrêmement sensible à la souffrance et aux problèmes des gens et tout. J'ai toujours été très conscient des problèmes qu'il y avait dans le monde. Et je me suis dit, il faudrait que je puisse partager ça, quoi. J'ai des recherches, j'ai de la matière et tout. Et incapable de partager ça, quoi. C'était très très dur. Donc il a fallu que je m'intéresse à l'écriture et à tout ça, que je réussisse à passer des idées, quoi. Mais ça a été hyper long. Pendant longtemps j'ai ramé, mais je me suis battu pour pouvoir le faire, parce qu'au début j'arrivais pas, quoi. C'est trop compliqué. Le problème c'est que moi je m'étais créé mon propre vocabulaire, c'est-à-dire les mots que j'utilisais, ils étaient imbitables pour la majorité des gens. C'était, j'arrivais pas à vulgariser, j'arrivais pas à transmettre, et puis j'avais peur d'en parler, quoi. Et donc, j'ai créé Holographique dans l'espoir qu'un jour, peut-être, je puisse tout partager. Donc aujourd'hui, je suis content d'avoir réussi à faire ça, c'est-à-dire que je réussis aujourd'hui à partager mes recherches. Donc à la base, c'est ça. Holographique, c'est, j'ai voulu partager mes idées. Et donc, pour revenir sur LinkedIn, je me suis rendu compte que sur LinkedIn, je pouvais partager cette même valeur à des gens. Que je pouvais leur apporter quelque chose, peut-être que mes réflexions, je pouvais les transmettre directement dans des posts, en fait. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, j'avais commencé déjà à pas mal écrire avant, quand même. Donc, je ne commençais pas de zéro. Mais le fait de commencer à écrire des choses plus courtes et plus souvent, ça m'a bien aidé. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton activité de copywriter ? Aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Justement, je suis à une période aussi de bilan, si tu veux. Là, j'ai un peu plus d'un an de recul. Je suis en train d'opérer un petit pivot, c'est mon activité. Quand on démarre, on a tendance un peu à accepter un peu toutes les missions. Et au final, tu te rends compte que tu es une meilleure dans certains trucs et d'autres. C'est pas parce que peut-être pas bon, mais il y a des choses qui t'intéressent clairement pas. Moi, je sais que j'ai cette tendance aussi de, parce que je fais quelque chose qui m'intéresse qu'à moitié, d'y passer beaucoup de temps et être assez frustré finalement. Donc, je suis en train de pivoter vers, pour me spécialiser plutôt sur la partie page de vente emailing, au détriment, par exemple, des articles. J'adore écrire des articles, mais je me suis rendu compte quand même avec un peu de recul, c'est que
On est souvent confondu avec les rédacteurs web. Et franchement, je suis fatigué d'expliquer la différence. Alors, pour avoir exercé ce métier, oui, c'est bien le gros problème. C'est-à-dire que quand tu écris des articles, tu dis que tu es copywriter, mais que tu annonces ton tarif et que le mec te renvoie à chier en disant « Quoi ? Au revoir !» Ouais, c'est du vécu, hein. Ça c'est du vécu, hein. Donc je peux en parler facilement, c'est du vécu. Surtout en plus quand ça vient de la part de personnes qui ont une très grosse audience et une très grosse autorité. J'avais été sérieux sur ce coup-là, je sais pas, oui, j'avais été sérieux, oui, oui. Donc oui, en effet. Donc je comprends très bien ta perception. Ouais. Oui, je trouve qu'il y a plus de fun aussi, plus d'enjeux sur la partie vente finalement. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu obsédé par le résultat. Quand je fais des trucs, j'aime bien voir le résultat, ce que ça apporte réellement. Et quand tu écris un article, tu t'es éclaté sur les coups, finalement, c'est un peu frustrant parce que finalement, qu'est-ce que ça va apporter à ton client, un seul article que tu as écrit? Ça va peut-être apporter quelque chose à long terme, mais mélangé avec d'autres choses. Mais un article tout seul, isolément, ça m'étonnerait que ça y apporte gloire et argent. Alors, on va parler là. Donc là, bon, je vais parler un peu plus, parce que je connais bien le sujet. L'article, il n'est pas là pour apporter de l'argent. Ton article, c'est ça, exactement. C'est une action pure de marketing et donc de promotion. C'est-à-dire que le rôle d'un article, il n'est pas de ramener de la thune, il est là pour attirer de l'audience. Il est là pour. Évidemment. Voilà, il est là pour dire non mais les mecs, regardez, j'existe. Regardez, oh, et en plus, mon article, je vais vous montrer que c'est le meilleur. C'est ça le job. Oui, 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 tout à fait, tu as raison. Tu as raison, mais j'adore faire ça pour moi. Maintenant, j'ai du mal à le faire pour d'autres parce que finalement, j'ai pas la main sur les indicateurs. Tu vois, encore pour moi, je peux suivre finalement ce que ça m'a apporté. Pour tes clients, c'est un peu plus compliqué. T'as pas la main sur ces machines, sur ces logiciels. Tu sais pas trop en fait comment l'article était reçu, comment était accueilli, quel contact il a généré. Enfin voilà, il y a tous ces paramètres-là. J'adore faire ça pour moi parce que franchement, là pour le coup, là j'ai la main à 100%. Autant pour d'autres, c'est un peu frustrant quoi, parce que c'est rare que tu aies un retour en fait, sur le vrai retour de ce que tu as apporté. C'est pour ça que les articles. C'est-à-dire retour, c'est-à-dire plutôt un feedback. Oui. Mais c'est pour ça que les articles, je pense qu'il faut que ce soit l'auteur du blog qui le fasse et pas. Enfin, à part pour des sujets extrêmement spécifiques qui ne demandent pas d'être hyper intelligent et qui sont assez répétitifs. Je trouve que c'est super important que ce soit l'auteur qui écrive ses propres articles parce que ça fait aussi partie du branding aussi de son blog. Oui, ouais, je te rejoins. Autant après, bon, la vente, quand il s'agit que ce soit d'amener sur du mailing, enfin de l'emailing et ensuite la page de vente, même si je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est toi-même qui le fais, mais disons qu'il y a certaines structures de vente, bon, on va en parler un petit peu, hein, donc. Ou là, un copywriter, là, c'est pas du luxe d'en avoir un. Oui, c'est clairement, très clairement. Surtout que tu peux avoir un retour d'investissement sur l'investissement qui est extrêmement rapide aussi. Ah ben, juste une phrase peut changer la donne. Hein. Tout à fait. On va en parler, hein, de toute façon, on va en parler. Donc justement, copywriting, donc c'est vrai que bon, nous, on en parle parce qu'on connaît, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Peux-tu rappeler ce que c'est le copywriting? Pour moi, c'est une forme d'écriture qui est persuasive, qui est utilisée à chaque fois dans un objectif précis. Donc aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le copywriting, on l'assimile très facilement à la vente pure. Je trouve que le métier évolue quand même, parce que de tous les freelances qui s'élancent, on n'est plus... Comment dire, avant la conception de copywriter, on le voyait plutôt dans les agences de pub, donc on parlait plutôt de concepteur rédacteur, on parlait, enfin voilà, on le cataloguait plutôt dans la case publicité. Les copywriters d'aujourd'hui, on peut avoir aussi cette casquette vente, ça c'est clair, c'est la base historique, on va dire, d'un métier, mais aussi cette casquette, j'interviens dans le branding d'une boîte ou de quelqu'un. Oui, très clairement, parce que.
Bon, là, je vais parler, hein, parce que c'est un sujet qui me passionne, le copywriting. Les mots, enfin voilà, quand même le job d'un copywriter. Bon, c'est ce qu'on disait un petit peu en off. Voilà, le copywriter, il est là, son job avec sa lettre, c'est de dire, non mais les gars, il essaie de dire en fait à son audience et puis à ses prospects, non mais les gars, ce que font mes concurrents, c'est de la merde. Regardez ce que je vous propose, c'est de bien meilleure qualité, ça va résoudre votre problème. Alors, ce sera jamais dit comme ça, mais typiquement, ce que ça sous-communique, en général, une page de vente, c'est ça. Oui, ça communique aussi. Voilà, enfin, le but, c'est d'accrocher tellement la personne qu'elle se demandera même pas, oui. Qu'on sera même pas allé voir ailleurs. C'est qu'elle sera tellement scotchée, c'est qu'elle sera convaincue et persuadée que c'est la solution qu'il faut pour résoudre son problème. Et ben alors, justement, en copywriting, quels sont les... Ça, c'est une question que j'innove, hein, donc, mais tu es la première à qui je vais poser cette question, mais en copywriting, quelles sont les actions de créativité que tu préfères? Moi, je pense que c'est la conception. C'est vraiment la partie conception pure où je m'éclate le plus. En fait, il y a deux phases. Il y a la phase aussi persona, en fait, la phase cible, où, enfin, si tu veux, tout ce qui touche à l'humain et au décryptage de l'humain, c'est vraiment la partie éclate pour moi parce que j'ai cette obsession de vraiment de rentrer dans sa tête, d'essayer au maximum de me mettre dans sa peau. Enfin, vraiment, tu vois, c'est comme un acteur qui prépare une pièce de théâtre qui se met vraiment dans le rôle, hein, physiquement, mentalement. Il n'est vit que par ça, il devient en quelque sorte le personnage pendant quelques semaines. Pour un copywriter, moi je pense, enfin pour moi, je vois les choses comme ça, mais moi je deviens un personnage en fait. Tu vois, j'ai cette obsession de le comprendre en fait. C'est pas tellement la partie recherche qui m'intéresse, c'est la partie compréhension. Oui, j'ai toujours voulu écrire un livre depuis que je suis toute petite. C'est pour ça que j'en ai écrit deux quand j'étais adolescente. Et forcément, en travaillant dans ce milieu-là, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre, d'écrire mon propre livre. Et c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, mes parents ont travaillé, enfin moi quand j'étais petite, mes parents travaillaient là-dedans. Ils étaient maquettistes pour l'édition. Et donc je connaissais, hein, les nuits de travail, les bureaux qui débordaient de dictionnaires, d'ouvrages, de choses comme ça. Donc j'ai vraiment toujours baigné là-dedans. Mais je ne l'ai pas encore fait pour l'instant en fait. Parce que tout simplement, bon déjà j'avais pas le temps. J'avais vraiment pas le temps. Et puis c'est un peu comme la lecture en fait. À force de me consacrer aux livres des autres, j'avais pas envie quand je terminais le soir de... J'avais l'impression de me remettre au travail encore si je me mettais à écrire, déjà premièrement. Donc j'écris beaucoup pour les autres parce que je fais beaucoup de réécriture. Toujours avec l'accord des auteurs, évidemment. Et j'aime beaucoup faire ça, m'adapter au style d'un auteur et à son sujet et faire des propositions. Je suis plutôt une créative, donc j'aime bien ça. Mais tout simplement, j'ai jamais eu le temps jusque-là et j'ai pas encore trouvé le sujet que j'ai vraiment envie d'écrire. J'ai pas envie d'écrire un livre pour écrire un livre parce que j'aurais des facilités. C'est certain que si je voulais écrire un livre demain, a priori, je pourrais le faire assez rapidement, assez facilement, sans prétention aucune. Enfin, 11 ans de métier, c'est mon travail. Hein. Et je pourrais le placer assez facilement, tout simplement parce que j'ai des contacts. Mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le sujet que j'avais vraiment envie de transmettre ou l'histoire que j'avais vraiment envie d'écrire. Et donc, pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour. Moi, j'aime bien aider les autres à écrire leurs livres. Ça me plaît bien. Bah en fait, si je devais prendre une image, en fait, c'est... Bon, tu n'as peut-être pas encore écrit ton premier livre, mais tu en as réécrit plusieurs. Donc finalement, tu as déjà participé à l'écriture d'énormément de livres. Oui, un petit paquet, oui. Ouais, voilà. Donc, bon, notamment, bon, on en a parlé en off, notamment quand même Robert Greene. Voilà. Ah oui. J'ai pas fait. Enfin, c'était de la réécriture, mais c'est de la,
c'est de l'adaptation de traduction. C'est-à-dire que le texte a d'abord été traduit par des traductrices qui ont fait de l'excellent travail. Mais forcément, les Robert Greene, c'est des livres très très denses. C'est du texte plein sur un million et quelques signes. Et quand on est traducteur, à un moment donné, on a la tête dedans. Donc on ne voit pas toujours les traductions qui sont trop littérales. Et moi, mon travail, ça a été sur plusieurs de ces ouvrages, de les corriger déjà premièrement, mais aussi d'adapter la traduction pour que le français soit vraiment fluide et corresponde vraiment au style de l'auteur. Voilà. Enfin, surtout, c'est strictement fidèle. Ouais. Enfin, surtout, quand on connaît Robert Greene, c'est quand même en plus une littérature de haut niveau. Hein, donc, c'est une manière d'écrire qui est déjà extrêmement littéraire. Ça doit être c'est du taf. Ça doit être du plaisir, mais un peu de taf quand même. En fait, non. Mais ah bon? Déjà, c'était un immense plaisir pour moi parce que je renouais du coup avec mon grand plaisir de la littérature, des grands classiques de la littérature. Mmh. J'avais l'impression de me rediriger vers ça en fait. Et je pouvais vraiment me faire plaisir dans la formulation des phrases et dans le registre de langue, dans le strict respect du texte original de l'auteur. Et c'était beaucoup de travail sur le texte original en anglais. Et j'adorais faire ça en fait. J'ai adoré faire ça et essayer de comprendre où l'auteur voulait en venir avec telle ou telle phrase et essayer de retranscrire ça le mieux possible dans notre langue. Et le plus gros et le plus difficile du travail était fait par les traductrices. Mmh. C'est pas facile. Et moi, ce que je venais, c'est mettre un petit coup de ciseau ici, un petit coup de polissage là, et ciseler le texte pour qu'il soit vraiment le meilleur possible. Donc non, ça n'a pas été difficile. C'était long, c'était très 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 long. parce que du coup, chaque Robert Greene, enfin je les ai quasiment tous faits, chaque Robert Greene, je l'ai lu deux fois, enfin relu et, et corrigé deux fois. Mais cela, c'était pas difficile. C'était vraiment très, très... C'est beaucoup plus difficile, en fait, quand tu as un texte qui n'a pas du tout été suivi, avec un auteur qui a du mal à écrire, du mal à exprimer, à structurer ses idées, et où il faut que tu essayes de comprendre où est-ce qu'il veut en venir sans vraiment le saisir. Et tu dois refaire un puzzle complètement différent avec un puzzle existant, mais de guingois, en fait. C'est beaucoup plus difficile. Ça fait beaucoup plus carburer le cerveau. Robert Greene, franchement, c'était une promenade extrêmement agréable. Je te laisse encore un petit peu profiter, voilà, de cet environnement, de cette nature. Parce que bon, voilà, c'est la dernière fois que tu vas l'entendre, puisque la semaine prochaine, on recommence les Racines de la Créativité, et donc on va débuter la saison 2 des Racines de la Créativité. Et voilà, je suis très content de t'avoir accompagné cet été, voilà, sur les bords de la créativité. Voilà, je suis très content de t'avoir accompagné cet été. Je suis très content d'avoir refait des podcasts, voilà, enfin, d'avoir fait cette série de podcasts. Ça m'a permis de faire un petit bilan de l'année, mais il est fort possible que le premier podcast de la saison 2 soit un bilan de... Même ce sera, c'est pas ce soir, c'est la semaine prochaine, on recommence le podcast avec le bilan de un an de podcast et d'un an des Racines de la Créativité, parce qu'il se trouve que j'ai lancé les Racines de la Créativité mi-septembre 2019. 2019, c'est ça, 2019. Et donc, ça va faire un an. Et donc, je vais te partager tout ce que j'ai appris, en fait, pendant cette année de podcast. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai raté également, toutes les leçons, les apprentissages, toutes les belles rencontres que j'ai faites. Je vais tout partager, voilà, pendant cette... on va appeler cette pause récréative, puisque voilà, ce sera une pause récréative avant de reprendre, voilà, les podcasts, avant de reprendre les interviews. Je vais faire un petit bilan
Et même si voilà cette série voilà sur la créativité voilà c'est déjà un petit bilan, mais voilà là ce sera un bilan beaucoup plus personnel. Voilà, ce sera un bilan beaucoup plus personnel. Et donc je veux te partager ça. J'étais vraiment ravi voilà de passer cet été avec toi. Comme d'habitude voilà si tu veux réécouter toutes les interviews que j'ai faites, voilà tous les épisodes de la saison 1, ça se passe sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Continue à mettre la meilleure note sur la plateforme où tu écoutes ces podcasts. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire. J'ai beaucoup de plaisir à parler et à faire ces podcasts. Voilà. J'ai envie de dire vive la saison 2, vive la rentrée. Et quant à nous, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut!